OK. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette e-conférence de présentation de la Faculté de droit de l'Université catholique de Lyon. Pendant une trentaine de minutes et avec un temps de questions-réponses par la suite, nous nous présentons une étudiante de la Faculté de droit en deuxième année, mademoiselle Sekri. Vous pouvez dire peut-être quelques mots de présentation ou de bienvenue. Bonjour à tous, merci d'être présents et je prendrai la parole plus tard. Et moi-même, Michel Canassa, donc directeur de la faculté de droit de l'Université catholique de Lyon et par ailleurs doyen du pôle facultaire sciences juridiques, politiques et sociales. Meilleurs vœux à toutes et tous, avant tout dans ces circonstances particulières. Alors nous regrettons à certains égards de pouvoir vous accueillir sur notre campus, ce n'est qu'une question de temps et on profite de cet exercice à distance pour vous communiquer les mêmes informations que nous aurions communiqué en sur site. La présentation va se structurer autour de quelques axes, en commençant par les études de droit, puis nous parlerons des spécificités de notre modèle avant d'évoquer les débouchés après des études de droit. Et mademoiselle Sekri vous parlera un peu plus en particulier de la vie étudiante à l'UCLI, à la faculté de droit et des différentes possibilités offertes par notre campus. En ce qui concerne les études de droit en général et à la faculté de droit de l'UCLI en particulier, les études de droit ont pour vocation, et notamment la licence de droit et le premier cycle, fournir aux étudiants les bases de l'apprentissage dans une discipline qu'habituellement ils ne connaissent pas, puisqu'elle n'est pas étudiée ou très peu dans le cycle secondaire. Outre l'étude de matière et de domaine du droit en particulier, dans le droit privé, dans le droit public, en droit européen et international, l'objectif des études de premier cycle est de fournir aussi les bases de la méthode juridique et du raisonnement juridique. Donc, notre modèle est basé sur cet objectif et plus particulièrement, et compte tenu du contexte que l'on va évoquer un peu plus tard dans la présentation, nous mettons un accent particulier sur cet apprentissage méthodologique et l'apprentissage du raisonnement juridique qui sont les clés en quelque sorte ensuite des spécialisations, des approfondissements en cycle master et puis ensuite de l'insertion professionnelle et de l'évolution aussi dans les métiers. Quelles sont nos formations à Lyon et à Annecy, puisque la faculté de droit, depuis cette année, a également un site à Annecy pour les premières années? Il y a tout d'abord, et je pense que c'est ce qui intéresse la majorité d'entre vous, le premier cycle des études en droit, donc la licence de droit, qui est délivrée sur la base d'une convention avec l'Université Lumière Lyon 2, ce qui signifie que, le diplôme que vous obtenez au terme des trois années est un diplôme d'État, reconnu comme tous les diplômes d'État. Les enseignements se
passe exclusivement eh bien à l'Université catholique de Lyon, sur nos sites lyonnais ou à Annecy, comme je le disais. Donc, en ce qui concerne les sites lyonnais, eh bien, nous avons deux campus en centre-ville, un qui est Place Carnot et un qui est le campus désormais principal, le campus Saint-Paul, qui est eh bien, à proximité de ce premier campus et à proximité de la gare ferroviaire Perrache. Et donc, c'est une situation en centre-ville. Outre la licence de droit classique, je pourrais dire, ou généraliste, eh bien, nous proposons également des parcours en double diplôme, notamment et particulièrement un double diplôme licence de droit plus Bachelor of Civil Law en convention avec un partenaire irlandais, Maynooth University. Double diplôme sur la base duquel les étudiantes et les étudiants suivent pendant les deux premières années de la licence en étant à Lyon non seulement les enseignements de la licence de droit, mais aussi des enseignements complémentaires de droit de common law enseignés en anglais par des enseignants locaux et par des collègues irlandais qui viennent de temps à autre donc, au cours des semestres. Après ces deux premières années à Lyon, eh bien, les étudiants partent tous, pour ceux qui sont dans ce double diplôme, en Irlande pendant un an. Nous avons cette année notre première cohorte sur place depuis le mois de septembre. Et à l'issue de ces trois années, donc, eh bien, vous obtenez non seulement la licence de droit française, mais également l'équivalent irlandais, c'est-à-dire le Bachelor of Civil Law, qui est diplôme d'État qui vous permet de, eh bien, de poursuivre vos études, voire d'intégrer les professions judiciaires ou juridiques plus largement en Irlande et dans le monde de common law. À partir de la rentrée prochaine également, donc de septembre 2021, nous proposerons sur le même modèle eh bien, un double diplôme avec notre partenaire londonien, la City University London Law School, les deux premières années étant à Lyon, de la même façon, avec les enseignements de la licence de droit comme tous les autres étudiants, mais en supplément également des enseignements et à distance et sur site faits par eh bien, les collègues anglais de la City Law School. Donc, c'est un programme dense, comme le précédent, très dense à certains égards, mais qui permet eh bien, aux étudiants, après avoir fait ces deux premières années à Lyon, d'aller à Londres pour la troisième année, et de la même façon d'obtenir à l'issue des trois années la licence de droit et le LLB of Law, donc le Bachelor of Law, ce qui est l'équivalent d'une licence de droit en Angleterre, et donc de poursuivre le cas échéant en master sur site ou dans les autres pays de common law, voire eh bien, de passer des examens complémentaires pour devenir l'équivalent d'avocat dans ce contexte-là, ce qui eh bien, est une perspective plutôt intéressante. Donc, ces deux doubles diplômes vous permettent en trois ans d'obtenir eh bien, en réalité un diplôme français et un diplôme irlandais ou anglais. Après ce premier cycle, la très grande majorité, si ce n'est la quasi-totalité des étudiants en droit, poursuivent leurs études eh bien, dans le cycle master pour plusieurs raisons. Tout d'abord, et la principale, c'est que l'accès aux professions réglementées, dont on parlera dans quelques instants, suppose le plus souvent un niveau minimal de 4 années d'études en droit. Et le plus souvent, dans les faits, en tout cas, les étudiants qui tentent eh bien, l'examen d'entrée à l'école des avocats, par exemple, ou l'examen, le concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature ou d'autres examens de ce type, eh bien, attendent 5 années d'études en droit et donc l'obtention d'un master qui correspond au cycle de 2 ans, au deuxième cycle de 2 ans, après le premier cycle de licence en 3 ans. Nous disposons à la faculté de droit de l'Université catholique de Lyon de différents parcours de master dans les domaines principaux du droit, donc comme vous le voyez en droit privé, avec un parcours droit de l'enfant et des personnes vulnérables, un cycle et un master mention droit des affaires, parcours droit international des affaires, enseigné exclusivement en anglais pour les étudiantes, les étudiants qui se destinent à une carrière dans le monde des affaires
international. Ces deux premiers diplômes, ces deux premiers cycles master sont délivrés également en convention avec l'Université Lyon 2, avec la faculté de droit de l'Université Lyon 2, et un troisième master en droit international et européen qui est délivré par l'Institut des droits de l'homme de l'Université catholique de Lyon en convention avec l'Université Grenoble-Alpes. Donc ces trois diplômes sont également des diplômes d'État. Au-delà de ces masters, nos étudiants, dans la majorité des cas pour l'instant, poursuivent également leurs études en cycle master dans d'autres universités françaises, puisque sur la base du diplôme de licence, ils peuvent évidemment poursuivre leurs études aussi dans d'autres universités, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs. Outre les masters, et pour revenir au cycle licence, et outre les doubles diplômes que j'ai évoqués, nous proposons à nos étudiantes et étudiants de se spécialiser dès la première année de droit et tout au long des 6 semestres, des 3 années de la licence de droit. Alors, pour cela, nous avons une offre de diplôme universitaire assez dense. Un diplôme universitaire droit et Sciences Po, études du bien commun, qui est destiné aux étudiantes et aux étudiants qui pensent peut-être s'orienter vers les métiers de l'action publique et de la fonction publique. Il y a également une préparation IEP en partenariat avec la faculté de lettres pour les étudiants de première année qui souhaitent peut-être préparer le concours d'entrée dans les IEP à l'issue de la première année de droit ou une première année en faculté de lettres. Ce premier double diplôme permet aux étudiants, dès le premier semestre, d'avoir des enseignements complémentaires. Habituellement, c'est une vingtaine ou une trentaine d'heures en plus par semestre. Alors, ce n'est pas rien et à la fois, ce n'est pas énorme pour que le cycle principal, le parcours principal, c'est-à-dire la licence de droit, ne soit pas impacté en quelque sorte par le travail supplémentaire, mais c'est du travail supplémentaire. Et puis, sur ce même modèle, comme vous le voyez, nous avons d'autres diplômes universitaires, Common Law, qui permet aux étudiantes et aux étudiants de se spécialiser dans le droit anglo-américain dès la première année et de pratiquer l'anglais, puisque l'anglais juridique plus précisément, puisque ce diplôme est enseigné en anglais. Le diplôme universitaire état civil, qui permet aux étudiantes et aux étudiants, et Mademoiselle Seki pourrait vous en parler puisqu'elle le suit, dans le domaine de l'état civil, mais plus largement du droit des personnes et de la famille. Droit du climat et du développement durable, comme son nom l'indique, il s'agit d'étudier la réglementation française et européenne, voire internationale, de protection de l'environnement, et dans une perspective juridique, puisqu'il y a des métiers assez nombreux dans ce domaine et de plus en plus, comme vous pouvez vous en douter. Un diplôme World Foreign Policy, enseigné partiellement en anglais, qui porte sur les relations internationales. Un nombre important d'étudiants habituellement en droit sont intéressés par les organisations internationales, par la diplomatie, et donc il s'agit là d'étudier les grandes tendances actuelles, et donc partiellement en anglais, de géopolitique, pour résumer. Un nouveau diplôme universitaire qui ouvrira en septembre 2021, criminologie. Il s'agit là de commencer à se spécialiser dans le domaine du droit pénal et des sciences criminelles. Et donc, il y a une approche juridique, mais pas exclusivement, avec aussi des aspects en ce qui concerne la criminologie de psychologie criminelle. Et enfin, deux autres diplômes, mais qui ne sont pas destinés aux étudiants en première année, le diplôme universitaire juriste digital, tout en bas de la diapositive, et le premier, le diplôme universitaire administration publique, qui sont là plutôt destinés à un public de troisième année et encore plus de quatrième et de cinquième année pour préparer des concours administratifs pour le premier, administration publique, et pour se spécialiser dans le domaine du droit des nouvelles technologies, droit du numérique en général pour le DU juriste digital.
Alors, un peu plus dans le détail, mais assez rapidement, le double diplôme dont je vous ai parlé tout à l'heure, la licence de droit associée au Bachelor of Civil Law irlandais en partenariat avec Maynooth University. Donc, ce partenaire irlandais, Maynooth, c'est une université située approximativement à 30-40 minutes en train de Dublin. Donc, on pourrait dire que c'est la grande banlieue de Dublin. Donc, c'est assez proche de la capitale irlandaise. Un campus assez traditionnel dans le sens, on pourrait dire, anglo-américain, donc un ancien campus assez joli en campagne avec un nouveau campus et une petite ville autour. Donc ça permet entre autres notamment de vivre cette expérience de campus à l'anglaise ou à l'américaine, en l'occurrence à l'irlandaise. Je vous l'ai dit, les deux premières années se passent à Lyon, la troisième année en Irlande. Il y a un nombre de places approximativement de 50-60 étudiants en première année, donc l'entrée est assez sélective. Il faut évidemment avoir une maîtrise de la langue anglaise assez élevée, donc un niveau B2, ce qui est normalement est la sortie, le niveau de sortie en baccalauréat, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a le cas échéant des entretiens en anglais pour mesurer votre maîtrise de la langue. Et puis, on regarde évidemment le niveau académique pour nous assurer que vous serez en capacité, en quelque sorte, de suivre ces enseignements complémentaires et ses enseignements en anglais plus particulièrement. Comme je disais, à l'issue des 3 ans, avec la troisième année en Irlande, vous obtenez 2 diplômes et donc vous pouvez de cette façon envisager votre carrière en France, évidemment, mais aussi dans le monde anglo-américain, pour résumer, puisque ce diplôme peut vous ouvrir les portes en fait de poursuite d'études et d'insertion professionnelle dans ce contexte juridique et culturel. La logique est la même pour le nouveau double diplôme avec Londres, donc licence de droit et Bachelor of Laws, donc LLB, deux premières années à Lyon, une sélectivité encore plus forte à certains égards, puisque le nombre de places sera limité à 20-30 étudiants. La dose de travail, en plus du parcours de licence de droit, sera conséquente, avec des enseignements à distance et en ligne pour les collègues anglais, et puis des séances de tutorat et de révision sur ces matières assez fréquentes au cours du semestre. Troisième année à Londres chez ce partenaire, donc la City University London Law School, qui est, comme son nom l'indique, localisée dans le cœur de la City à Londres, avec, comme vous pouvez l'imaginer, ensuite les perspectives professionnelles à Londres comme ailleurs d'ailleurs, suite à ce type de parcours. Alors, quelques éléments sur l'origine scolaire des étudiants, juste pour vous indiquer, puisque maintenant les filières n'existent plus, mais que habituellement, comme le droit est une science sociale, les élèves qui avaient suivi le parcours économique et social, allaient assez souvent en droit, mais il y a également des littéraires et des scientifiques. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de prérequis pour aller faire des études de droit. C'est-à-dire que si vous avez un intérêt pour les sciences sociales, pour l'histoire, la géographie, c'est assez naturel en quelque sorte de s'intéresser au droit. Si vous avez un intérêt pour la littérature, la langue, là aussi le droit est une matière et la terminologie juridique est un aspect central en fait dans la pratique du droit. Les notions sont très importantes, chaque notion a un contenu particulier, donc le droit suppose une maîtrise de la langue et de la langue écrite, notamment particulièrement élevée. Donc, si vous avez quelques compétences dans ce domaine, le droit peut être intéressant. Et pour les scientifiques, ou ceux qui ont un intérêt pour ces matières-là, on dit généralement que la capacité d'abstraction que suppose la pratique de ces matières est mise à profit dans le droit, puisque la résolution des exercices et l'approche de la méthode aussi du raisonnement juridique en droit suppose cette capacité d'abstraction, puisqu'on va partir de concepts généraux pour les appliquer à des situations en particulier. Donc ça suppose de se représenter un petit peu ces choses dans l'espace, si je puis dire.
Alors, les conditions d'admission, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Pour résumer, il y a un nombre de places limitées à Lyon comme à Annecy d'ailleurs, et donc c'est une des raisons pour lesquelles notre établissement est sélectif. Nous opérons en quelque sorte cette sélection des dossiers, non pas parce que nous avons une approche élitiste, mais parce que notre modèle eh bien, suppose de pouvoir encadrer les étudiants, et pour qu'ils soient encadrés, eh bien, il faut que le nombre de ces étudiants soit maîtrisé, tant en cours magistral qu'en travaux dirigés, et donc tout ceci suppose eh bien, que l'on étudie les dossiers, qu'on s'attache aux critères qui nous permettent de les classer. Alors, le critère académique est important, évidemment, mais pas en soi, mais parce qu'on veut s'assurer que les étudiants, les candidates et candidats ont la capacité de réussir les études de droit, et notamment chez nous. Outre ces critères académiques, eh bien, nous sommes particulièrement attentifs à la motivation, au projet de formation motivée de l'élève, et également aux appréciations des enseignants. C'est-à-dire que nous cherchons des profils en fait qui correspondent à notre état d'esprit, à l'engagement, à l'investissement, au sérieux. Et comme nous avons un nombre de candidatures qui dépasse largement le nombre de places, eh bien notre intérêt, comme l'intérêt des élèves, eh bien c'est que nous nous rencontrions en quelque sorte sur ces critères, sur ces objectifs. Des exemples d'unités d'enseignement sur lesquelles je passerai rapidement. Pour résumer, et en première année particulièrement, les enseignements sont composés d'enseignements magistraux en amphithéâtre et d'enseignements appliqués en travaux dirigés. Pour certaines des matières en tout cas, certaines des matières ne sont déclinées qu'en cours magistral. La première année est composée d'enseignements qui sont à la fois strictement juridiques, c'est le cas du droit des personnes par exemple, ou du droit de la famille, mais également d'enseignements qui sont des enseignements d'ouverture et qui à certains égards en fait s'inscrivent dans la continuité d'enseignement du lycée, notamment de terminale, et donc vous n'êtes pas pleinement dépaysé, je pourrais dire, à certains égards. Ensuite, il y a la méthode et le raisonnement juridique qui s'acquiert progressivement et qui là, pour le coup, sont un peu plus nouveau pour l'ensemble des étudiants. Taux de réussite, l'une de nos forces indéniablement, qui est l'effet en quelque sorte de plusieurs paramètres, la sélection en entrée des étudiants, mais également et majoritairement, je dirais, eh bien, l'encadrement et le modèle de l'UCLI, et puis l'émulation qui existe entre les étudiantes et les étudiants du fait du contexte plutôt favorable qu'il leur est proposé, et notamment les petits groupes. Alors, ces taux de réussite sont ceux de l'année dernière, qui à certains égards reflètent aussi eh bien, la situation au second semestre d'examen à distance. Donc tout ça pour dire qu'ils sont réalistes, mais pour la deuxième et la troisième année, ils sont encore plus élevés qu'à l'accoutumée. Mais voilà, vous voyez 83% de réussite en première année, 93% en deuxième année et 97% en troisième année. Habituellement, voilà, on se situe dans ces eaux-là entre 85% et 90% de réussite après la seconde session, pour être tout à fait transparent, ce qui est un taux de réussite plutôt élevé, et ça, c'est un euphémisme. Alors, les forces de notre enseignement, j'en ai évoqué un certain nombre, eh bien, chez nous, les groupes d'étudiants, que ce soit en cours magistral ou en travaux dirigés, sont des groupes en nombre limité, en tout cas par rapport à d'autres réalités. Et c'est tant la raison que, eh bien, la cause, enfin la raison et la conséquence en quelque sorte de notre modèle, c'est-à-dire que on souhaite pouvoir suivre au quotidien nos étudiants. Donc chaque année est structurée sur des promotions. Donc en première année, par exemple, il y a 3 promotions d'étudiants qui chacune a un responsable pédagogique, l'équivalent d'un professeur principal, si vous voulez, qui suit eh bien, le parcours
des étudiantes et des étudiants. Parfois, il n'y a pas un besoin important en fait d'appui parce que le parcours des étudiants est linéaire. Et puis parfois, il faut en quelque sorte accompagner davantage, soutenir, mettre en place des tutorats. Et c'est eh bien ce que l'on est en capacité de faire compte tenu de notre organisation. L'orientation universitaire et professionnelle est également très importante dès le départ. Les stages ne sont pas obligatoires, mais ils sont fortement suggérés d'ailleurs parfois, pour découvrir les métiers et également pour commencer à se spécialiser dans tel ou tel domaine. Les cours magistraux en amphithéâtre, donc, chez nous, sont pour 100 à 150 étudiants. Donc, la répartition en promotion de nos étudiants en première, deuxième et troisième année fait qu'il n'y a que très exceptionnellement, en fait, plus de 150 étudiants en amphithéâtre. Donc, ça correspond à des conditions plutôt favorables, voire très favorables d'apprentissage. Et en travaux dirigés, là où c'est peut-être à certains égards encore plus important, puisque c'est là qu'on applique, en quelque sorte, par le biais d'exercices, eh bien, les notions qu'on a apprises et le raisonnement juridique, eh bien, les groupes sont de 20 à 25 étudiants, ce qui permet une interaction majeure avec l'enseignant et puis un contrôle continu, c'est-à-dire la vérification des apprentissages très régulière au cours du semestre. L'international est également un de nos points forts, ou en tout cas c'est une de nos priorités. Les conventions sont très nombreuses, elles permettent, avec des universités étrangères, elles permettent de partir en troisième année pendant un semestre, voire pendant une année. Et puis il y a les doubles diplômes dont je vous ai parlé précédemment, qui marquent aussi l'internationalisation forte de nos parcours, en licence comme en master d'ailleurs. Donc les destinations sont innombrables en réalité, et vous aurez le temps de les découvrir puisque c'est habituellement en troisième année que se passent ces choses. La formation humaine est également une des spécificités de la Fac de droit et de l'UCLI en général, puisque le département de formation humaine de l'Université catholique de Lyon propose des enseignements disciplinaires et pluridisciplinaires qui permettent aux étudiants des différentes facultés de découvrir d'autres disciplines et puis globalement d'acquérir en quelque sorte une forme de discernement dans le monde contemporain, donc de comprendre en quelque sorte la globalité des enjeux et puis de se positionner en quelque sorte en tant que futur acteur, en tant qu'acteur et encore plus futur acteur de la société. Le projet personnel et professionnel est une option qui existe dès la première année pour pour accompagner les étudiantes et les étudiants dans la construction de leur projet, notamment en réalisant en fait un certain nombre d'exercices qui peuvent être théoriques, pratiques, organisation de conférences, réalisation d'interviews, de travail de terrain, sur la base en fait de la proposition d'ailleurs des étudiantes et étudiants inscrits dans ces spécialités. Toujours sur l'international et sur les langues, l'accent est mis sur l'acquisition de l'anglais et l'anglais juridique plus particulièrement avec ce que l'on appelle un passeport langue, c'est-à-dire un certificat qui est délivré à la fin de la troisième année pour ceux qui ont suivi des cours d'anglais depuis la première année. Et puis il y a des cours de droit enseigner en anglais assez nombreux dès la première année pour non seulement travailler la langue anglaise, mais aussi pour travailler la terminologie juridique anglaise et les notions juridiques de common law. Donc ça aussi, c'est une de nos spécialités assez fortes. Je le disais tout à l'heure, à l'issue de la troisième année de la licence, la plupart des étudiants iront vers un cycle master. Et après le cycle master, ils intégreront un certain nombre de professions juridiques. Alors, l'avantage des études de droit, c'est que elles ouvrent une palette en fait de métiers très très nombreux et qui se renouvellent en quelque sorte au gré de l'évolution de la société, des technologies, du monde en général. Donc il y a des métiers de façon synthétique dans
dans le domaine du droit public, qui relève le plus souvent de la fonction publique, d'État, territoriale ou hospitalière. Et puis, il y a des métiers de magistrature et d'avocature pour les spécialistes de droit public également. Et là aussi, c'est un domaine qui se développe au gré de l'intervention, en quelque sorte, de l'État. Les métiers du droit privé, ils sont plus nombreux. Ils se situent tant dans le domaine des professions réglementées, notaire, avocat, la magistrature judiciaire, et puis dans le monde de l'entreprise. L'entreprise absorbe un grand nombre de diplômés en droit, puisqu'il y a des départements juridiques ou des juristes d'entreprise d'éclataille, en fait, de l'entreprise le suggère, avec une dimension internationale assez marquée, d'ailleurs, parfois. Dans le domaine du droit européen international, il y a là aussi des métiers qui sont en nombre croissant, tant dans les institutions européennes et internationales que eh bien, dans les cabinets, les ONG, les cabinets de lobbying qui travaillent autour de ces questions et autour des organisations internationales. Ces dernières années, et comme vous pouvez vous en douter, de plus en plus dans les années à venir, les juristes qui seront spécialisés dans les questions numériques auront devant eux un panel de métiers de plus en plus important, puisque le numérique, comme vous le savez, est littéralement à peu près dans tous les domaines et la tendance ne semble pas réversible, ce qui fait que la compréhension de ces questions et de la réglementation qui se met en place autour du numérique, en fait, devient de plus en plus important. Et il y a relativement peu de juristes pour l'heure, en fait, qui soient spécialisés dans ces questions. Et donc, il s'agit indéniablement d'un secteur d'avenir, ce pourquoi, eh bien, on propose un certain nombre d'enseignements dans ce domaine pour celles et ceux qui souhaitent se spécialiser dans le numérique. Et j'ai beaucoup trop parlé. Je laisse la parole à notre étudiante, Jade Sekip. Merci, monsieur. Bonjour à tous à nouveau. Je m'appelle Jade. Je suis étudiante en deuxième année de licence de droit à la faculté de droit de l'UCLI. Je prépare parallèlement un DU état civil qui vous ont été présentés précédemment. Je vais donc aborder avec vous mon parcours et mes ressentis en tant qu'étudiante et également la vie étudiante au sein de l'université. Tout d'abord, il y a une question qui est assez importante et assez fréquente qui concerne la charge de travail en licence de droit. Personnellement, j'ai pu observer une différence entre le lycée et la licence. Je pense que c'est inévitable. Les études supérieures demandent peut-être un petit peu plus d'approfondissement. Et ce que je pourrais dire, c'est l'autonomie vraiment qui est demandée en licence de droit et qui est peut-être plus importante que ce qui était demandé au lycée. Cependant, avec de l'organisation, tout est réalisable. Il est important de souligner également qu'un étudiant en droit respecte une certaine méthodologie. C'est pourquoi, au début de chaque semestre, nous avons 2 semaines de cours de méthodologie, desquelles résulte un examen de méthodologie appliqué au droit privé et appliqué au droit public, ce qui nous permet de vraiment visualiser quels sont nos points forts et surtout les points à améliorer. J'ai choisi de venir à l'UCLI pour 2 raisons principales. Tout d'abord, le lieu. Les lieux sont vraiment propices au travail. Nous ne sommes pas qu'avec des étudiants en droit, ce qui est aussi important parce que nous pouvons partager des moments avec des étudiants, par exemple, en école de commerce. Et également l'encadrement, et c'est surtout pour ça. Donc, nous avons des entretiens personnels, individuels avec nos référents, nos chargés de promotion au début de chaque semestre, ce qui nous permet déjà de pouvoir échanger sur les difficultés qu'on a pu rencontrer auparavant, et également pour que nos chargés de promotion puissent un peu mieux nous connaître et si nous avons des problèmes, que ce soit personnel ou au niveau des études, de pouvoir en discuter avec eux. Et sur ce point-là, je ne suis vraiment pas déçue parce que dans ce contexte assez particulier, nous avons vraiment un suivi qui est très fort et donc c'est très important. Concernant la vie étudiante, alors en étant étudiant en droit, nous pouvons encore avoir des activités et il est vraiment conseillé. Et au sein de l'UCLI et surtout de la faculté de droit, nous avons un BDE qui organise
des soirées étudiantes, mais aussi des week-ends, comme un week-end de ski, dans la mesure du possible, parce que ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué. Et également, la Fédé Cato, par exemple, qui est une association d'étudiants qui permet de créer des petites compétitions entre les différentes écoles de l'UQI, ce qui nous permet vraiment de pouvoir tous nous rassembler. Et vous pouvez également participer, par exemple, à des maraudes. Et il y a diverses associations, je ne pourrais pas toutes les citer. La vie étudiante à l'UQI est, en résumé, active et nous permet de tisser des liens, comme je le disais, avec des étudiants qui ne sont pas forcément en droit. Voilà, j'espère avoir été claire. Tout à fait. Alors, je crois que... Donc, nous prenons les questions par le biais du chat. Donc, alors, quelles sont les qualités requises pour une licence de droit? Merci. Alors, les qualités requises, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de prérequis, en fait, pour accéder aux études de droit, puisque vous n'avez pas étudié le droit jusque-là. Bon, il y a une masse de travail significative, donc il faut être prêt à travailler, ça c'est une évidence. Il faut être intéressé par la société, puisque le droit est une science sociale et il a pour objectif principal de réguler les rapports dans la société entre individus, entre l'individu et les États, et l'État, pardon, et les collectivités, etc. Il faut aimer écrire, il faut aimer la langue également, je le disais, la terminologie juridique est très spécifique, les notions sont spécifiques, le raisonnement juridique aussi suppose une forme d'élégance en quelque sorte dans dans la langue, parler comme écrite. Il faut avoir une capacité d'abstraction pour résoudre les exercices et pour bien s'imprégner du raisonnement juridique, mais c'est une démarche assez empirique, hein. Ce n'est pas en quelque sorte inné, et donc ça suppose du travail. Il faut travailler régulièrement, puisque certains des enseignements sont uniquement théoriques, vous ne les aurez qu'en cours magistral et l'examen se situe à la fin du semestre, sans forcément de contrôle continu dans le cadre des travaux dirigés. Et donc, attendre la fin d'un semestre pour s'approprier une matière, ça peut être risqué. Donc, voilà, c'est du travail continu dans certaines périodes du semestre, que ce soit par exemple au mois d'octobre, novembre ou mars-avril au second semestre, une bonne quantité de travail se concentre en fait sur quelques semaines, puisqu'il y a des devoirs à faire dans le cadre des travaux dirigés. Et là, bon, il faut une forme de résistance en quelque sorte à la masse de travail. Jade, c'est qui le disait, il faut aussi conserver en quelque sorte du temps pour des activités extra-universitaires pour préserver un équilibre raisonnable. Il y a une vingtaine d'heures approximativement en présence en cours par semaine, 20, 25 en fonction des cas. Il y a peut-être l'équivalent en travail personnel pour préparer des exercices, pour réviser, etc. Donc, vous voyez, ça fait des semaines potentiellement à 40, 50 heures de travail, mais qui sont assez concentrées sur les semestres. Et donc, je pense que si l'étudiant ou l'étudiant est suffisamment travailleur et appliqué, il n'y a rien qui soit inabordable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, carrément. C'est une question de travail. Alors, quels critères personnels sont-ils nécessaires pour être acceptés dans la faculté de droit de l'UQLI? Critères personnels. Alors, en ce qui concerne les critères des dossiers, les critères que nous examinons, et c'est ce qui est indiqué dans Parcoursup, on regarde les notes de première et de terminale, les deux premiers trimestres habituellement. Toutes les notes, en fait, toutes les matières. Ce qui est important pour nous dans les notes, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas de se dire on prend les candidats qui ont au moins 14, 15, 16, 17 de moyenne. On veut s'assurer de la capacité à
à réussir. Et donc, c'est vrai, quand les notes sont fragiles, en fait, on craint que l'élève ne soit pas en mesure ensuite de supporter en quelque sorte la masse de travail et l'apprentissage d'une nouvelle matière. Comme la faculté de droit de l'Université catholique de Lyon pratique des frais de scolarité qui parfois peuvent être assez importants, notre objectif c'est de ne pas inutilement en quelque sorte engager des étudiants et des familles sur une voie qui, de notre point de vue, en fait est périlleuse en termes de réussite. Donc ça, c'est le critère académique, comme je le disais, qui nous intéresse pour mesurer la capacité à réussir et donc à absorber la charge de travail. Ensuite, c'est très important pour nous d'avoir des bonnes appréciations des enseignants sur la capacité de travail, mais à certains égards encore plus sur l'attitude, en fait. La discipline requise tant dans le comportement que dans l'attitude face au travail sont très importantes pour nous. Il y a à peu près 10 candidatures pour une place pour la faculté, pour nos programmes, et donc encore une fois notre intérêt c'est d'accepter de faire venir à nous les élèves qui veulent vraiment faire du droit à l'Université catholique de Lyon. Et donc, ça s'est exprimé aussi dans le projet de formation motivée. Il n'est pas très long et c'est parfois assez difficile de l'exprimer, mais il faut nous faire comprendre en fait que vous voulez vraiment venir à l'UCLI pour faire du droit, puisqu'il y a une offre par ailleurs. Et donc, c'est l'ensemble de ces critères qui donne un cadre un petit peu général pour nous. On ne peut pas organiser des entretiens individuels pour chacune et chacun des candidats, malheureusement. Et donc, il faut qu'on se fasse une idée suffisamment précise de l'élève au travers de ce dossier. Donc, encore une fois, appréciation, projet de formation motivé et des résultats académiques raisonnables, en quelque sorte, je dirais, pour nous permettre de nous assurer que vous serez pas trop en difficulté en commençant. Le Brexit a-t-il eu un impact sur les partenariats entre l'UCLI et les universités anglaises, Londres plus particulièrement? Oui, alors, vous l'avez entendu certainement, dans le cadre de l'accord, du dernier accord sur la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, eh bien, le programme Erasmus ne fait pas partie de l'accord, et donc ça veut dire que le Royaume-Uni est devenu un État tiers de ce point de vue également. Et donc, ça signifie que les accords, en fait, se passent dans un cadre qui est celui international classique. Donc, on a déjà des accords avec des universités aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Australie. Donc, l'impact, en fait, direct à ce stade, pour notre double diplôme avec Londres, on avait déjà un double diplôme en master, c'est que les étudiantes et les étudiants qui partiront probablement ne seront pas éligibles en fait à la bourse Erasmus, qui n'est pas inintéressante, mais qui en fait n'est pas si significative que ça. Donc ça, c'est la conséquence directe à ce stade. Peut-être que ça évoluera, peut-être qu'il y aura des programmes de substitution. Et puis l'autre impact que cela a potentiellement, mais ça n'aurait pas vraiment changé dans le cadre d'un double diplôme, c'est que les étudiants européens, et notamment les étudiants français, seront considérés comme des étudiants internationaux lorsqu'ils iront dans les universités britanniques en général. Et donc, les frais de scolarité appliqués aux étudiants internationaux sont habituellement plus élevés que les frais de scolarité qui sont appliqués aux nationaux ou jusqu'au Brexit aux Européens. Mais dans le cadre de notre double diplôme, les frais de scolarité en question sont basés sur la base d'un accord entre les deux institutions. Ils demeurent élevés, mais ils ne correspondent pas en quelque sorte aux tarifs que les universités britanniques appliqueront et seront obligées d'appliquer d'ailleurs aux étudiants internationaux en général. Comment postuler en DU sur Parcoursup? Alors, vous le verrez peut-être lorsque vous essayerez de saisir une candidature. Lorsque vous saisirez une candidature, en fait, il y a différentes entrées dans Parcoursup. Il y a l'entrée pour la licence de droit seule, et puis il y a des entrées pour la licence de droit plus le DU état civil, la licence de droit plus le DU Common Law, etc., etc. Et les doubles diplômes, licence de droit plus Bachelor of Civil Law. Ça me permet de faire une parenthèse, puisque j'ai oublié de le préciser.
pour le nouveau double diplôme avec Londres, eh bien, compte tenu des délais, nous n'étions pas en mesure de l'inscrire dans Parcoursup, ce qui veut dire que pour postuler à ce diplôme, il faut postuler à des licences de droit général en indiquant dans le projet de formation motivée eh bien, votre intérêt pour ce double diplôme. Et puis, sur notre site, eh bien, il y aura un formulaire, site internet, un formulaire de manifestation d'intérêt pour ce double diplôme. Parenthèse close. Si vous voulez, en quelque sorte, postuler pour la licence de droit plus le DU état civil, il faut, le conseil, c'est de postuler eh bien, dans cette entrée-là dans Parcoursup, pas dans les autres. Ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que les candidates et candidats ont tendance à parfois saisir plusieurs candidatures pour être sûr, en quelque sorte, d'être accepté. Ça peut être une stratégie aussi, mais je présume que c'est décompté dans votre nombre total de candidatures, même si elles se situent toutes dans la mention droit. Donc, en termes de stratégie, si vous postulez pour un double diplôme, c'est vrai que peut-être qu'il peut être opportun de postuler aussi dans la licence de droit classique si vous voulez, en fait, si votre objectif prioritaire, c'est d'être accepté en licence de droit, voire subsidiairement licence de droit plus un autre diplôme. Mais en substance, si vous avez un dossier qui est correct d'un point de vue académique, voire bon, ou très bon, si vous nous faites comprendre dans votre projet de formation motivée que vous voulez absolument faire du droit chez nous, eh bien, je dirais que les chances sont raisonnables, puisque, encore une fois, le critère de la motivation pour nous est sinon prépondérant, aussi important en fait que l'aspect académique. Comment se déroule la licence en droit avec un diplôme universitaire en parallèle tel que celui en criminologie? Alors, je vais peut-être laisser, c'est pas le DU criminologie, mais peut-être sur l'organisation. Oui, oui. En fait, nous avons les cours de DU le jeudi après-midi, pas forcément tous les jeudis. Comme le DU se fait sur 3 ans, les cours sont assez bien répartis. Et donc, ça rajoute environ, en moyenne, de 2 à 4 heures par semaine. En moyenne, voilà. Et ça rajoute une charge de travail, mais qui, si elle est bien répartie, comme on le disait, l'organisation, eh bien, à la fin, l'examen, il n'y a pas de souci particulier, en fait. Oui, parfois, ça vous permet d'ailleurs, en fait, d'approfondir certaines des matières que vous étudiez par ailleurs dans la licence de droit. C'est le cas en état civil avec le droit des personnes et de la famille. C'est concentré sur le jeudi après-midi. C'est potentiellement, oui, 2 à 4 heures, mais pas toutes les semaines. Donc. C'est ça. Et généralement, des professionnels viennent. Donc, ça donne une approche plutôt pratique, plus que théorique, en fait. On veille, comme je le disais, à ce que ce volume horaire en plus ne soit pas trop important parce que le diplôme principal, c'est la licence de droit et votre objectif principal, c'est de réussir ce diplôme-ci. Et en phase de sélection, d'examen des dossiers, eh bien, on a une attention un peu plus particulière aux résultats lorsque vous candidatez sur un double diplôme parce que la masse de travail, en fait, est plus importante que la masse de travail pour la licence de droit seule, qui par ailleurs est déjà, en fait, significative. Comment accéder à la licence LLB Londres? La formation n'apparaît pas sur Parcoursup. Alors, je le disais à l'instant, les délais ne nous ont pas permis, le calendrier Parcoursup ne nous a pas permis, en fait, d'inscrire cette formation dans la plateforme, puisqu'il fallait faire ça au mois de novembre, et l'accord était quasiment conclu, mais l'encre n'était pas encore sèche, en quelque sorte. Donc, il faut, le plus simple, c'est de postuler pour la licence de droit, simple, normal, et d'indiquer dans votre lettre, enfin dans la partie qui s'appelle projet de formation motivée, c'est-à-dire la lettre de candidature, que vous êtes intéressé par cette formation-ci. Et puis, sur le site, le site internet de la faculté de droit, nous insérons un formulaire
en ligne ou PDF qui vous permettra de manifester votre intérêt pour cette formation. N'hésitez pas également à nous envoyer un mail, à nous appeler en fait pour nous indiquer votre intérêt. Comme ça, on garde trace en quelque sorte de toutes ces manifestations d'intérêt dans notre processus en quelque sorte d'admission et de sélection des dossiers. Je pense que c'est important aussi de nous signaler d'une façon ou d'une autre, mais notamment dans le projet de formation motivée, votre posture, c'est-à-dire, puisqu'on a déjà eu des questions en ce sens, si vous voulez venir à l'UCLI uniquement pour cette formation, il faudrait nous indiquer si je ne suis pas accepté dans cette formation, eh bien, je ne souhaite par ailleurs pas faire la licence de droit simple. Ou à l'inverse, nous dire si je ne suis pas accepté, je souhaite tout de même en fait être dans la licence de droit simple. Je le précise puisqu'on a eu un certain nombre de demandes en ce sens. Comme je disais, il y aura une trentaine de places maximum dans cette formation. Donc voilà, c'est bien de nous indiquer votre intérêt puisque je pense que le processus de sélection sera assez strict en quelque sorte et particulièrement sur la maîtrise de la langue anglaise. Pour la sélection des masters, y a-t-il des conditions particulières et quelles sont vos dates d'ouverture pour l'envoi des dossiers? Alors pour les masters, cela dépend du master concerné. Pour le master droit international des affaires, enseigné en anglais, eh bien, il faut avoir suivi un parcours plutôt dans le domaine du droit privé, plutôt avec des spécialisations en droit des affaires, droit commercial, droit des sociétés, propriété intellectuelle, le cas échéant, et maîtriser donc l'anglais. Pour le master mention droit privé, parcours en droit des personnes vulnérables, eh bien, c'est les résultats en général en licence et notamment dans les matières de droit privé, et puis la motivation dans la candidature à rejoindre cette formation avec peut-être un projet déjà professionnel qui serait dans les domaines concernés. Pour le parcours droit européen et international de l'Institut des droits de l'homme, et bien de la même façon, c'est vos résultats plutôt là dans ces matières-là, dans le domaine du droit public et international, et puis votre motivation pour les métiers qui sont associés et bien à ces spécialités, donc les métiers dans les organisations européennes et internationales ou dans des organisations comme les organisations non gouvernementales en fait qui œuvrent et bien dans la sphère internationale, en géopolitique et autres. Étant lycéenne d'une autre académie, ai-je mes chances d'intégrer cette école? Alors oui, nous ne sommes pas liés par le critère géographique, ou en tout cas par l'origine en fait géographique des candidates et candidats. Donc nous avons chaque année des candidatures d'ailleurs nombreuses, hein, à peu près la moitié, qui proviennent d'autres académies et chaque année des étudiantes et étudiants nous rejoignent de différentes régions françaises, voire d'autres pays européens ou internationaux, des lycées français à l'étranger. Donc voilà, il n'y a pas de restriction géographique donc, et ça n'entre pas en ligne de compte dans l'étude et la sélection des dossiers. Est-ce que vous prenez en compte les appréciations des professeurs compte tenu de la situation actuelle? Est-ce qu'on s'attache davantage à ce critère plutôt qu'aux résultats? Alors l'année dernière, c'était un petit peu le cas déjà, puisque le deuxième et le troisième trimestre ont été impactés déjà par le début de la crise sanitaire. Disons que lorsque les résultats ne nous semblent pas refléter le niveau de l'élève, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, mais généralement ça va plus être en quelque sorte dans un sens qui pourrait porter préjudice à l'élève, eh bien oui, on bascule notre attention peut-être un peu davantage sur les appréciations, puisque au-delà des résultats, et c'était de toute façon le cas en temps normal aussi, lorsque, vous voyez, on a des résultats qui parfois nous inquiètent un petit peu, mais on a des appréciations des enseignants qui relèvent eh bien, l'assiduité, le travail, les efforts, la progression aussi dans les résultats. Pour nous, c'est un critère qui devient effectivement
encore plus important qu'à l'accoutumée parce que on sait que les résultats ne sont pas toujours révélateurs, parfaitement révélateurs, en fait, des capacités et puis surtout de l'investissement et de la volonté de réussir de l'élève. Naturellement, on pondère en fait plus ou moins, puisqu'on regarde chaque dossier individuellement, ce qui nous prend beaucoup de temps, mais justement pour c'est notre modèle ensuite quand les étudiants nous ont rejoints, mais pour individualiser en quelque sorte notre approche, notamment en phase d'étude des dossiers, pour identifier le plus précisément possible la personnalité, la capacité, l'envie aussi de l'élève dans ses études, que ce soit au lycée, puis ce qu'on peut en quelque sorte prévoir de ce que sera l'engagement ensuite à l'université. Avez-vous des journées d'immersion dans votre université? Alors, s'il s'agit de journées d'immersion d'élèves de terminale les enseignements et la vie quotidienne de l'université, alors pour l'instant, vous le savez sans doute, les campus en fait sont assez vides. Les étudiants de première année vont recommencer à venir petit à petit à partir du 25 janvier, et puis les étudiants de deuxième et troisième année, on espère peu de temps après. Pour l'instant, en réalité, la vie des campus, en fait, est essentiellement, exclusivement, d'ailleurs, à bien des égards, numérique. Pour les journées de l'enseignement supérieur, je crois, le 27, la journée de l'enseignement supérieur, en l'occurrence, le 27 janvier, il y aura des enseignements, des simulations de cours, en fait, qui seront pour le coup faits à distance, mais qui vous permettront de voir ce qu'est un enseignement universitaire, et notamment un cours magistral, et de voir ce qu'ils sont en fait à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'ils sont délivrés à distance par les enseignants, et donc vous aurez cette possibilité-là, et il me semble qu'il faut vous inscrire pour cela, et je pense que sur le site de l'UCLI, vous avez en fait des formulaires d'inscription pour qu'ensuite on puisse vous envoyer le lien pour suivre les cours en question. Est-ce qu'il est obligatoire de poursuivre en master si nous souhaitons exercer un métier du droit? Il y a certains métiers, mais en nombre assez limité, certains concours de la fonction publique qui sont ouverts dès la licence, donc dès le diplôme de premier cycle, après 3 années. En pratique, la quasi-totalité des métiers du droit, et notamment ceux qu'on a à l'esprit lorsqu'on pense au droit, magistrat, avocat, notaire, huissier, enfin, commissaire de justice, etc., etc., sont des métiers qui supposent non seulement un master, et plus souvent donc un master 2, 5 années d'études, donc 3 de licence plus 2 de master, et également la réussite à des examens d'entrée et de sortie d'école professionnelle, comme c'est le cas pour les avocats, et ou la réussite de concours, comme c'est le cas pour la magistrature, par exemple. Ce n'est pas indispensable, mais c'est ce qui se passe en pratique. Dans la mesure où les futurs juristes, qu'ils soient avocats, notaires, magistrats et autres, auront en charge en quelque sorte des questions sérieuses et importantes, ce n'est pas les seuls évidemment, mais il vaut mieux qu'il y ait eu 5, 6, parfois 7 années d'études en fait avant qu'on leur confie en quelque sorte ces cas sérieux. Si vous voulez faire le parallèle avec la médecine, les années pour former un médecin, je pense qu'il y a 7 à 9 ans peut-être d'études, mais parce que la prise en charge en quelque sorte ensuite est assez sérieuse, on peut faire un parallèle, toute proportion gardée, avec le monde du droit, puisque pour gérer des cas, je ne sais pas, d'assinat par exemple, ou plutôt que de garde d'enfants, ou des contrats avec des millions, des centaines de millions d'euros, ça suppose de quelque sorte d'avoir une formation suffisamment solide.
Deux formations m'intéressent au sein de l'UCLI, car mon choix n'est pas encore bien clair. Puis-je candidater aux deux sur Parcoursup? Oui, vous pouvez. Et puis, vous recevrez une réponse, en fait, à l'issue du processus pour les deux formations. Si ces deux formations, si ces deux réponses positives de notre part, eh bien, vous devrez choisir l'une et refuser l'autre. Voilà. S'il y en a une pour laquelle la réponse est positive et l'autre non, bah, du coup, ça règle la question. Est-il possible de prendre deux spécialisations en première année? Alors, faire deux diplômes, par exemple, universitaires en complément, ce n'est pas strictement impossible, mais ce n'est pas recommandé. On a eu peut-être un ou deux cas dans le passé. Voilà, ce n'est pas recommandé parce que la charge de travail, en fait, sera quand même, là, pour le coup, très conséquente. Vous pourrez nous poser la question et au cas par cas, en fait, on a pu, par le passé, autoriser exceptionnellement ce genre d'approche. Si vous motivez spécifiquement votre choix et puis si nous pensons que vous en avez des capacités. Faut-il obligatoirement avoir le TOEFL pour s'inscrire à la formation DU Common Law comme inscrit sur le site de l'UCLI? Alors, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé si vous l'avez. Parfois, au lycée, certains d'entre vous ont déjà passé un des certificats, parfois le First Certificate de Cambridge ou le Certificate of Advanced English pour certains. D'autres fois, non. Alors, lorsque vous n'avez pas de test, pas de certificat de ce type, on regarde les notes, votre parcours aussi, parce que parfois vous avez passé une année à l'étranger, voire plusieurs années, notamment dans un pays anglophone. Lorsqu'on a un doute, eh bien, on cherche à organiser des entretiens, notamment téléphoniques, pour mesurer votre niveau. Mais le plus souvent, et compte tenu du nombre de candidatures, eh bien, on se fie notamment à vos résultats en anglais, en première et en terminale, et puis sur d'autres paramètres. Parfois, les candidates et candidats nous signalent qu'ils ont, je ne sais pas, passé un été, fait un stage un stage linguistique dans un pays anglophone. Donc, ça dépend en quelque sorte des candidats. Donc, ce n'est pas strictement obligatoire d'avoir le TOEFL. Mais ça ne signifie pas que vous ne devez pas le passer. Si vous avez l'intention de le passer par ailleurs, c'est très bien, puisque pour le coup, ça règle la question d'appréciation du niveau linguistique. Les stages pourront-ils débuter dès la L1 ou est-il plutôt préférable d'attendre? C'est vrai que le plus souvent, les étudiants font des stages en troisième année parce qu'ils ont un petit peu, en quelque sorte, une vue panoramique satisfaisante des différentes spécialités du droit. Et puis, c'est utile parfois pour les candidatures en master. Mais c'est possible dès la première année de faire des stages qui seront davantage des stages, sinon de découverte, mais dans lesquels, en fait, les étudiantes et les étudiants ne sont pas opérationnels d'un point de vue pratique, mais pourront voir comment les matières qu'ils commencent à étudier, en fait, sont déclinées en pratique. Parfois, les étudiants, en fait, font un premier stage en première année, un deuxième en deuxième année, et puis un autre en troisième année. Donc, vous pouvez avoir cette stratégie aussi pour découvrir, en fait, un peu les différents métiers du droit. Donc, on ne déconseille pas de le faire dès la première année. Ce n'est pas indispensable, mais lorsqu'il y a ce désir, on l'appuie et puis on stipule des conventions de stage avec les organismes et les maîtres de stage concernés. C'est bon, c'est terminé. Est-ce qu'on dit un message de... Oui, eh bien, merci de votre participation. Merci, Jeanne. Merci à vous. Je pense que le chat continue. Et n'hésitez pas à nous écrire, à nous téléphoner dans les semaines et mois qui viennent. Bon courage pour cette année qui, pour la plupart d'entre vous, est l'année du baccalauréat.